pars vraiment dans tous les sens, je peux te faire une libre antenne, hein, si tu veux. On peut faire une émission d'une heure et demie avec trois questions. On est en train de préparer un nouveau projet qui est d'envergure, qui est peut-être le plus gros de ma carrière, le plus gros de ma vie. Puisque bon, là, vous voyez juste une petite partie du bureau, des locaux, des studios. Vous avez un petit peu visité, vous avez pu voir deux, trois trucs. Et je suis en train de faire évoluer. Ah, c'est compliqué de pas dire tout en disant un peu, mais je suis en train de faire évoluer ce que j'ai appris depuis les 18 dernières années pour en faire un projet presque final et abouti de ce que j'ai appris. Voilà, je peux pas trop en dire plus pour l'instant parce qu'on va l'annoncer dans quelques semaines, mais je suis en train de faire un projet où j'essaye de m'élever, d'apprendre des choses et de pouvoir montrer des choses aux gens que j'ai pas eu l'occasion et la possibilité de faire avec les précédents projets. C'est pas très clair, mais moi je me comprends. Moi j'ai pas de modèle. Alors ça choque un peu les gens, et j'ai des gens qui m'ont inspiré, mais j'ai pas de modèle. Donc c'est assez difficile de me mettre dans une case. C'est vrai que souvent, moi j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de bosser sur un film en ce moment, j'ai envie de créer un média, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'animer des choses, j'ai envie de contact humain, j'ai envie de faire des podcasts. Mon métier consiste à s'amuser, à apprendre et à essayer de passer de l'information. La transmission de savoir me plaît beaucoup. Et ça peut être aussi dans de l'urbex. C'est visiter quelque chose d'exceptionnel. Là, on est en train de préparer un... Je suis en train de trop en dire pour mon prochain projet, mais il y a différents sujets. Et moi, ce qui me plaît, c'est d'accéder à des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir et de le transmettre à tout le monde. En fait, de permettre à tout le monde d'avoir la connaissance, le savoir et le divertissement. Et surtout l'humain. Moi, ce qui me plaît, c'est l'humain. Depuis toujours, que ce soit la radio, le cinéma, la télé, ce que j'aime, c'est les gens, c'est contact avec les gens. C'est mettre dans un café à côté de quelqu'un, discuter avec et me rendre compte qu'en fait, il y a du bon, il y a de l'intéressant chez n'importe quel être humain. Tout le monde a une histoire intéressante à te raconter dans sa vie. Tout le monde a vécu au moins un truc de fou. Et en fait, je m'en suis rendu compte à la radio, je m'en suis rendu compte à la télé, je me suis rendu compte dans le QG, dans n'importe quel artiste. C'est un artiste connu, pas connu. Les plus gros cartons du QG, c'était avec des gens pas connus. Parce qu'ils ont tous des choses intéressantes à raconter. Surtout ceux qui ont des métiers, tu vas me dire, un peu exceptionnels. Mais tout le monde a des choses exceptionnelles. Même ceux qui ont des métiers dits classiques. Si je dois donner ma vraie version des choses, qui n'est pas forcément la plus mainstream, c'est que l'école n'est pas adaptée à tout le monde. Ça, c'est ma vision à moi. Parce que je pense, et je le vois avec mes copains autour de moi, plein de mecs brillants qui ont créé des boîtes, etc. C'est pas forcément les mecs qui étaient dans les cursus, dans ce qu'on appelle le tronc commun. Moi, je trouve douloureux ce mot. Mais je pense que justement, chaque être humain est très différent. Et parfois, c'est vrai que peut-être on va trop avoir tendance à vouloir apprendre à être dans un moule, à aseptiser quelqu'un. Alors que justement, en fait, moi, j'ai décidé à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je suis avant-dernier, qu'est-ce que je risque, en fait? Rien. Et moi, j'ai envoyé mes maquettes à Skyrock à l'époque, quand j'avais 18 ans. Et en fait, j'ai fait ce que je voulais dans les piges, dans les extraits. Je m'enregistrais dans le truc, j'allais le week-end, je me suis acharné en boulot. Mais surtout, je pense que ce qui a fait un peu la différence, c'est que je travaillais déjà non-stop. C'est-à-dire que les mecs qui sortaient le mardi soir et qui me disaient « Ah, on va se boire la gueule dans Montpellier, mon école est à Montpellier. » Je leur disais « Les gars, moi j'ai fait un emprunt en fait pour... j'ai emprunté à mon grand-père pour ça, j'ai envie de pouvoir les rembourser. » Et donc j'ai mis toute ma rage dedans. En fait c'est quand t'es au dos au mur, je pense que t'es le meilleur. Et là je me suis dit ok, j'ai mis toutes mes économies, mon grand-père m'a prêté, machin, parce que ça coûte cher les écoles. Et je pense que les écoles sont pas adaptées à tout le monde, mais qu'il faut trouver soi le plus rapidement possible dans quoi on est bon. Et à partir du moment où j'ai dit ok, là vraiment là je suis nul, moi j'ai pas de rythme musical, je suis une cata, tu me regardes danser, tu ris. Ouais, je suis vraiment une merde et tout. Par contre, je sais que je vais être bon dans la mémoire, dans le ping-pong avec les gens, dans machin. J'ai tout de suite vu, tu vois, j'interviewais des gens de ma classe, machin. J'arrivais à obtenir des trucs un peu rigolos avec bienveillance, machin. J'ai dit, ok, bah ça c'est peut-être ma qualité. Et ok, mon défaut, c'est pas de faire des speaks musicaux, d'envoyer des musiques, de parler sur une intro, tu vois, les trucs en radio, il faut parler 7 secondes, puis bam, sur l'intro. Moi, je parlais sur la moitié de la musique, j'oubliais qu'il y avait le titre derrière et tout, je me faisais déglinguer par les patrons à énergie. Mais j'avais ma patte. En fait, le but du jeu, c'est de trouver dans quoi t'es bon. Quand j'étais en train de me brosser dans la salle de bain, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, ok, quelle vie je veux. C'est vraiment très court. Et ça s'est passé en 5 minutes, je me suis regardé dans la glace et j'ai des copains qui vendaient du shit. Si tu veux, la vraie histoire. J'étais en ZEP. Et j'ai plein de copains qui commençaient à gagner un peu leur vie en vendant du shit. Et je me suis dit, quelle vie je veux? Est-ce que c'est ça que je veux? Comment je peux évoluer là-dedans?
Est-ce que je vais du dark side ou du côté sombre ou de la lumière? De quel côté je vais? Quelle vie ça peut m'amener plus tard? J'ai pesé le pour et le contre. Et en fait, bah, tu te rends vite compte qu'il faut mieux trouver un boulot, aller bosser, avoir une femme, des enfants. C'est là que tu seras plus heureux qu'un boulot stable, etc. Machin. Et moi, pour rencontrer des gangsters tous les jours avec le QG ou des gros mafieux, je peux te dire qu'en fait, la vie, on est plus heureux, c'est nous, et pas quand tu passes 30 ans en prison. Et ben c'est moi, ça a été mon déclic. Je me suis dit, ok, déjà, de quel côté je veux être? Et après, je me suis dit, ok. Mais vraiment, ça s'est passé en un soir. Je m'en rappelle vraiment, c'est pas une histoire romancée. Hein. Je suis allé sur Internet, et je suis allé sur un moteur de recherche et tout, et j'ai checké un peu tous les mecs de l'époque qui me faisaient un peu... Tu vois, qui m'inspirait. J'ai dit, ok, il y avait qui? Il y avait machin, il y avait machin, machin. Je tapais les noms des... Et en fait, je me rendais compte, c'est que 99% des gens qui me faisaient rire, rêver, machin, Eric Ramzy, Jamel à l'époque, tu vois, toutes les grosses stars, machin, de l'époque, 99% étaient tous passés par la radio. Et on a oublié, mais Jamel, il était sur Fun Radio. Enfin, tu vois, Omar et Fred, ils étaient sur Fun Radio, machin. Et en fait, la plupart des mecs étaient passés par la radio. Et en un soir, j'ai annulé tout ce que j'avais prévu comme école de commerce, machin. Et je suis allé voir mes parents, j'ai dit, je vais faire de la radio. Et ils m'ont dit, oui, oui, allez, va te coucher, on en parle demain. Et en fait, ça s'est vraiment passé en un soir. Je me suis dit, ok, là, c'est le moment, j'ai 17 piges, qu'est-ce que je vais faire? Et bah, du coup, après, je suis parti dans une école de journalisme, alors que je déteste le journalisme. Enfin, tu vois, je suis pas un fou de merde. Enfin, je déteste le mauvais journaliste. Mais je trouve le métier de journaliste hyper intéressant. Et du coup, au début, j'ai été un peu contre les écoles de journalistes. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait les bons journalistes, les mauvais, les machins. Et après, j'ai appris qu'il y avait des formations de radio. Je me suis retrouvé dans une formation de radio 2 mois plus tard, après l'été. À la rentrée, j'ai tout annulé ma prépa. Je suis parti là-dedans et j'en suis jamais sorti. J'ai fait même pas une année d'école de journaliste parce que ça m'a pas du tout, ce que je te disais, tu vois, ça m'a pas du tout plu. Mais par contre, j'ai appris beaucoup en faisant des stages. Moi, c'est ce que je faisais un stage le matin, un stage le soir. Tous les 2 mois, je changeais de boîte. J'ai fait toute la radio de Montpellier. J'allais à l'école, je faisais 6h, 9h sur une radio, j'allais à l'école, je faisais 21h, minuit sur une autre radio. Et le lendemain, pareil, clac, 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 clac. Je faisais que taffer le week-end et tout. Et en fait, bah, du coup, j'ai vachement appris avec les stages, tu vois. Et ensuite, j'ai quitté l'école de journalisme. J'ai eu la possibilité de rentrer sur Skyrock en local. Ils m'ont fait parler une fois par heure parce que j'étais nul. Ils m'ont dit, t'es gentil, mais t'es pas... Bon, hein, donc tu parles pas beaucoup, tu fais un petit speak, tu dis bonjour, c'est Skyrock, il est 16h, merci d'être là sur Perpignan, et voilà. Ils m'ont mis sur la locale de Perpignan, j'ai parlé une fois par heure, et en fait j'écrivais mes speaks et tout, c'était une cata, je tenais ma feuille, je tremblais, et 16h sur Skyrock, et tout, je devais trembler dans la voix, c'était une cata. Et en fait, petit à petit, bah, tu t'habitues, et en fait j'ai appelé D-Fool, et D-Fool, c'était donc, bah, c'est la star de la radio libre sur Skyrock. C'est le matin et soir, et je l'ai appelé, et je lui ai dit, je suis pas un relou. Pas un fan relou, mais j'aime beaucoup ce que tu fais et je suis en local, est-ce que tu peux m'apprendre ton métier? Et il m'a fait un peu comme dans le film Whiplash, il m'a fait souffrir, il m'a dans le bon sens du terme, il m'a fait répéter, je venais le vendredi en train couchette, il écoutait ce que je faisais sur un CD, il me disait c'est pas bien, ça c'est nul, faut que tu sois dans l'air, faut que tu sois comme ça, faut machin, et il m'a fait progresser. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, tous les vendredis quoi, quasiment, j'ai essayé de monter à Paris dès que je pouvais. Et en fait, c'est lui qui m'a fait progresser. Et après, j'ai quitté Skyrock pour aller faire un premier morning. Premier gros échec, catastrophe, j'ai pris 2 mecs, ça marchait pas du tout et tout, machin. Ils nous virent tous. Je vais voir les patrons, j'ai dit, les gars, laissez-moi la libre antenne le soir, au moins j'essaye. Laissez-moi une semaine. C'était en radio locale à Reims, sur une radio qui s'appelle Happy FM. Et du coup, je me retrouve tout seul avec un mec qui était de là-bas, qui s'appelait Claudio, qui était un petit fan de la radio. Je le payais même pas. Et j'avais même tout juste moins un SMIC et tout. Et en fait, on faisait une libre antenne, lui était au standard, il était trop content de m'aider. Et en fait, on a multiplié l'audience par 3 hyper vite. Le standard, on a vu exploser, machin. Et de là, bah, y a le patron de Fun Radio qui est passé par hasard en voiture à Reims, qui m'a entendu. La vie, ça tient à rien. Et qui connaissait le patron d'Énergie Belgique et qui m'a dit, il cherche une libre antenne, va là-bas. T'as un gros potentiel, machin. Et je suis parti là-bas. Le mec est devenu patron d'Énergie France entre-temps. Je fais 2 ans et demi en Belgique, le mec passe patron d'Énergie France, il m'appelle, il me dit viens sur Énergie France, je te file la tranche de la nuit, pour l'instant il y a Coé, et ça s'est fait comme ça. Mais c'est vraiment, tu vois, il y a une part de taf, une part de chance, c'est un peu mélangé quoi. Mais il faut pas s'arrêter aux premiers échecs, ce que je dis tout le temps, ça c'est un truc que j'aurais aimé plus entendre, parce qu'il y a des moments où tu te remets en question très fort, surtout dans les métiers où il y a très peu de place.
Et tu te dis, attends, est-ce que je suis fait pour ça, machin, c'est tout le monde se pose la question, tout le monde a le syndrome de l'imposteur en vrai. Et en fait, du coup, ça, moi, j'aurais aimé l'entendre, tu vois, donc c'est pour ça que je suis content de faire ce genre de truc, pour le dire. Il faut pas avoir le syndrome de l'imposteur, faut se dire, c'est ma place, je la mérite, si je travaille, il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Le syndrome de l'imposteur, on le ressent tout le temps, pour ma part. Après, moi, je suis pas un mec qui a une grosse confiance en... Tu vois, j'ai pas une grosse confiance en moi de base, j'étais assez timide. Et donc, du coup, maintenant, ça va mieux, je me suis guéri, j'ai eu un enfant, ça m'a guéri beaucoup de mes problèmes, tu vois. Et surtout l'égocentrisme, parce qu'on est dans des métiers qui sont quand même très égocentrés, c'est-à-dire que tu penses beaucoup à toi, et là, pour une première fois, tu penses plus à toi. Je pars vraiment dans tous les sens, je peux te faire une libre antenne, hein, si tu veux. On peut faire une émission d'1h30 avec 3 questions, t'as vu.